Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des rouges à lèvres. Si vous me connaissez, vous allez savoir que j'adore des rouges à lèvres. Donc, du coup, quand je vois une nouvelle marque, j'ai envie de tester, j'ai envie de tout savoir de la marque. Donc, du coup, j'achète toujours des rouges à lèvres, surtout des encres à lèvres. Même si c'est pas l'idéal pour mes lèvres, mais bon, j'aime bien tester ceci. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Imagique. Et ils font des encres à lèvres vraiment pour ceux-là qui ne veulent pas trop dépenser. Il s'agit de Imagique et chaque rouge à lèvres arrive dans un box comme ça. Donc c'est vraiment protégé et tout. Et c'est fait en Chine. Donc c'est une marque chinoise, c'est pas de la contrefaçon. C'est vraiment une marque chinoise, donc si vous voulez, vous pouvez bien acheter cela sans problème, c'est pas de la contrefaçon. Donc chaque rouge à lèvres se présente comme ça, un petit peu transparent et l'embout ici qui est noir. Donc pour l'applicateur c'est rien de particulier, mais c'est vraiment ça fait son boulot, hein. Donc du coup je vais pas vouloir pour 2 dollars, je pense 2 dollars, je vais pas vouloir quelque chose de parfait parce que nul n'est pas fait. Donc vous retrouvez aussi cette marque sur Amazon, sur eBay, sur AliExpress et tout. Et sans plus tarder, on va passer au swatch. Donc là maintenant, j'ai le numéro 21 sur les lèvres. J'ai pas appliqué de crayon comme sur tous les autres. Je n'appliquerai pas de crayon tout simplement pour faire voir vraiment la couleur du rouge à lèvres. Bon, ce sont des rouges à lèvres qui sèchent mat. Quand vous l'appliquez, l'application est vraiment très facile pour d'autres couleurs. Les couleurs les plus foncées sont un peu celles qui sont difficiles. Mais disons que ça s'applique assez bien et ça sèche complètement mat. Si vous voyez, les lèvres ne se collent pas. Donc du coup, vous avez une bonne tenue. Donc j'ai porté ce rouge à lèvres il y a 3 jours et j'ai mangé, j'ai bu. On a un peu de fuite de matière au niveau l'intérieur des lèvres, mais rien d'alarmant. Donc du coup, moi je vous conseille vivement cette couleur. Là, on va swatcher 6 teintes. Mais il y en a, je pense, 18. Donc, on va swatcher 6 teintes et vous allez me dire quelle est votre teinte préférée. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve à la prochaine vidéo, s'il vous plaît. Avoir de nouveaux bons plans, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bisous. Alors, celle-ci, c'est la teinte numéro 14 qui est un joli fuchsia. La teinte numéro 10 qui est un joli rouge orangé. Alors je vais vous expliquer un truc, il y a 2 teintes qui se ressemblent énormément, ça c'est la teinte numéro 9 et celle-ci c'est la teinte numéro 11. Donc si vous ne voulez pas dépenser, je vous conseille tout simplement de prendre une seule teinte. Donc celle que j'ai swatchée là, c'est la teinte numéro 11. Et oui, c'est fini pour cette revue, je vous fais plein de bisous et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement sur
d'autres bons plans. Bisous.